Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. C'est le numéro 3 de cette série que l'on a commencé il y a quelques semaines en arrière. Le numéro 3 avec un invité aujourd'hui et un nouveau thème. J'invite Maxime Faure que vous connaissez forcément si vous êtes freestyler parce que vous le voyez régulièrement dans les conventions freestyle. Le freestyle qui reprend ses lettres de noblesse de plus en plus hein, ces derniers temps. On aura même un webinaire justement sur le sujet dans quelques temps. Mais Max est là pour nous parler d'autres choses. Vous allez le voir dans quelques instants. Je pense que ça va vous intéresser énormément. Parce que vous verrez que certains d'entre vous pourraient peut-être bien arriver au même résultat que Max. Alors, Maxime, il a 33 ans, pour le présenter rapidement. Il a 33 ans, il est coach sportif depuis 2015. Non, c'est pas ça, Max? 2012. De 2012, pardon. Depuis 2012, t'es diplômé. Alors, non seulement il est coach sportif, mais il a une particularité, ça va peut-être intéresser tous les budokas, il a été capitaine de l'équipe de France. Capitaine de l'équipe de France cadet de 2006 à 2009. Vous imaginez, en karaté, c'est quand même une belle consécration. Bon, il est là ce soir avec nous, donc vous le connaissez vraisemblablement plus peut-être au travers de notre secteur d'activité, à savoir le fitness et notamment les cours freestyle de Steph, de Elia et tout ce qui va dans le même type de cours. Max, merci d'être là ce soir. On va parler d'un thème qui est bien particulier, on va parler de la déclaration contrôlée et ça va intéresser tous ceux qui sont en micro-entreprise et qui sont coach ou éducateurs sportifs en micro-entreprise. Max, est-ce que tu pourrais nous raconter ou nous résumer ton histoire pour qu'on comprenne bien, s'il te plaît. Alors déjà, bonjour et merci Christophe pour ce webinaire. Bonjour à tout le monde qui est là pour suivre ce webinaire. Donc, mon histoire, je pense que comme beaucoup d'entre nous qui avons commencé il y a quelques années déjà, parce que donc moi, c'était en 2010 que j'ai commencé ma pré-formation, 2011 que j'ai foiré ma formation, et 2012 que j'ai enfin été diplômé après encore deux échecs, j'avais commencé par le salariat. Donc le salariat qu'on connaît avec... donc moi personnellement, j'étais vraiment dans les salles orange-bleu. J'avais adoré ce concept très humain. Et j'en ai fait pendant 8 ans en tout, 8 ans de salariat. Et c'est vraiment au fur et à mesure que j'évoluais, là où le salariat m'a été très bénéfique, c'est que, à mon sens, ça me permet de vraiment toucher à tout. Toucher à tout, que ce soit du domaine du freestyle, parce que l'orange bleu le permettait avec Step et Aero. Il y avait du pump, il y avait du combat, il y avait l'attitude qui... Quand j'ai eu vraiment des grosses questions, j'ai pu lui poser. C'était ça que je trouvais d'ailleurs hyper cool avec toi, c'est que tu me... Alors même si tu, des fois, ne vous étonnez pas, il répond tard le soir. C'est-à-dire que j'avais un texto vers 4-5 heures du matin qui me disait la réponse exacte que j'attendais depuis 8 heures la veille. Là où je me disais, mais il m'a oublié ou quoi. Mais voilà, et au moins il me donnait vraiment les billes pour me dire, tiens, ben voilà, ça, il faut juste faire ça. Ça, c'est un papier qui était frauduleux, c'était une arnaque, il ne fallait pas le faire, etc. C'est vraiment un gros avantage que j'ai personnellement trouvé et qui a complètement changé ma vie. Et c'est un petit peu donc, le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, si on résume bien, hein, pour nos amis qui sont là ce soir, en fait, en 2015, avant, tu étais salarié, en 2015, tu passes micro-entrepreneur, et donc, et t'es les deux, en fait, tu es salarié et micro-entrepreneur, c'est ça? Donc voilà, avec l'orange bleu, donc tu es salarié et tu es micro-entrepreneur à côté. Et en 2019, donc tu sautes le pas, c'est-à-dire que tu apprends qu'existe un nouveau régime, si j'ai bien compris, qui s'appelle la déclaration contrôlée. Là, donc tu sautes le pas et là, tu arrives en déclaration contrôlée. Ce qui fait que tu découvres un nouveau monde, parce que la déclaration contrôlée, c'est un nouveau monde où on peut déduire ses frais, contrairement à la micro-entreprise. Et donc, il y a un truc qui a fait que j'ai eu envie de te contacter pour te dire, est-ce que ça te dit de faire ce webinaire et justement de partager avec les coachs ce que tu as vécu? Parce que quand je t'ai vu sur les réseaux sociaux, je t'ai vu sur Instagram, je crois, je t'ai vu sur une vidéo où tu étais tellement heureux que je me suis dit, mais c'est fou, quoi, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec Max? Que là, j'ai écouté cette vidéo et là, tu étais en train de dire, mais oh, les amis, je ne paye plus beaucoup de cotisations, je ne paye plus beaucoup d'impôts et pourtant, je gagne mieux qu'avant, mais c'est un truc de dingue. C'était un truc comme ça que tu avais fait, je crois. Exactement. En fait, donc, dans cette période de salariat, j'étais, je crois que c'était 1450 peut-être pour les 35 heures. Et ensuite, à partir du moment où j'ai vraiment donc fait ma... J'ai arrêté de faire du CDI en septembre 2018 pour me consacrer pleinement à la déclaration contrôlée et du coup à l'entrepreneuriat en 2019. Et bah donc forcément, il y a des périodes très flottantes sur lesquelles j'étais, je ne savais pas trop comment faire, etc. Mais ce qui fait que là, aujourd'hui, en 2023,
Je crois que cette année, je suis, ça a été à la hausse et je paie, et je trouve ça honteux, 10 euros d'URSSAF mensuel, alors que l'an dernier, j'en payais 4. Donc, une hausse de plus de 100%, ça me fait mal au cul. Je vous le cache pas, hein. Ça me fait mal au cul, mais 10 euros. 10 euros, les gars. Et 10 euros, vous me diriez, d'accord, mais c'est quel chiffre d'affaires? Je suis, là, sur les 3 derniers mois, je suis à plus de 5 000 euros de cours collectifs. Pour juste 10 euros d'URSSAF mensuel, 50, je crois que j'ai eu la petite régule de fin d'année dernière, 54 euros. Là, on était royal. Et sinon, ouais, voilà, en vrai, pas d'impôt. Alors, pas d'impôt, ça, c'est. On est royal au bar. Royal au bar. Et là pour donc tu étais à 1450, tu dis à peu près 1450 quand tu étais salarié pour 150, ça fait 152 heures C'était par mois, un truc. ouais, c'était 39 heures semaine, grosso modo. Ouais, donc ça doit faire 150, 151 heures par mois. Et là aujourd'hui, tu es à 5000 euros par mois et pour combien d'heures de travail? Alors, je fais entre 40 et 50 heures. Par semaine. Par mois. Tu es à 5000? Et tu fais que entre 40 et Ouais, 50. ouais, ouais. Ma dernière facture, je sais plus si je te l'avais envoyée, mais je sais que je l'avais envoyée à des collègues. Et ouais, parce que je trouvais ça hallucinant aussi. Mais du coup, je calculais mon nombre d'heures et je crois que ça devait être 51 heures, mais dans le mois. Ouais, c'était 5 400, je sais plus combien. Et alors, ça, le fait que déjà tu ne payes pas beaucoup d'impôts et de cotisations, et aussi le fait que tu n'aies plus augmenté bah, tes recettes de cette façon-là, quoi. Alors, déjà que tu n'aies plus augmenté tes recettes, c'est quoi qui a fait qu'à un moment donné, tu as pu passer à ce montant de 5 000 qui parfois peut être énorme pour certains coachs qui sont aux alentours de 1 500, 2 000, 2 500 par mois et qui difficilement enfin, qui plafonnent, qui difficilement arrivent à monter leurs recettes. Comment tu as fait, toi? Alors, de vécu, en fait, la déclaration contrôlée, je trouve ça hyper intéressant et important pour nous, coach, mais c'est vraiment qu'une des pierres de l'édifice. C'est-à-dire que si tu passes en déclaration contrôlée, c'est hyper important que tu augmentes aussi ton niveau de compétence par rapport à ce qu'on a de base. On est tous sortis d'une formation X ou Y, quel que soit l'endroit, que ce soit CQP, que ce soit BP, grand bien te fasse. Maintenant, on a des compétences de base. Moi personnellement, j'ai choisi déjà de m'hyper spécialiser dans les cours freestyle, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment là-dedans que je me suis engouffré et c'est ce que j'ai voulu justement apprendre par le biais des formations que je vous parlais tout à l'heure pour savoir comment augmenter ses prix, comment faire en sorte à l'époque, donc c'était d'avoir une grille qui vendait, mais moi je la voulais vraiment pour le freestyle. Donc je me suis hyper spécialisé, ce qui veut dire que, et c'est je t'en parlais la dernière fois, Christ. Maintenant, au lieu de vendre un cours qui est peut-être entre 35 et 40 euros de l'heure, là, je suis à 4, entre 60 pour mon moins cher et je suis à 83 euros le cours, parce que je ne parle même plus en taux horaire. Et ça, c'était une des idées que justement, une idée reçue qu'on avait comme quoi on devait facturer à l'heure et juste en fait lors d'une formation. Tu avais évoqué cette idée que, en fait, qu'on pouvait créer un petit peu ce qu'on voulait à partir du moment où on était suffisamment compétent. Donc, je suis devenu suffisamment compétent pour pouvoir proposer un prix que je juge honnête entre le temps que ça m'a pris, pas pour créer le cours, parce que maintenant, il me faut peut-être une demi-heure pour créer un cours entier, mais ça m'a pris 10 ans, par contre, pour apprendre toutes ces compétences. Et c'est ça que j'ai voulu faire valoir, ce qui fait que maintenant, par exemple, le jeudi soir, je te parlais, moi, c'est le jeudi soir, je ne loupe jamais le jeudi soir, parce que c'est 250 euros la soirée pour 2 h 15 de cours. J'ai aéro, renfo, step. Ah, donc déjà, rien qu'avec un jeudi soir, tu as 1 000 euros par mois qui tombent. Exactement, ouais, j'ai quasiment un SMIC avec juste 4 jeudis soirs. Donc, j'ai des collègues qui trouvent que c'est abusé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon frigo soit plein. Le reste, c'est n'ayez pas peur du regard des gens. Hein, je fais exactement ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Si j'ai envie de me faire les ongles, je me fais les ongles. Si j'ai envie de travailler plus, je travaille plus. Si j'ai envie de travailler moins ou de ne pas aller à un endroit, ben, j'ai le droit de le faire. Parce que du coup, il faut que je sois aligné 100% avec ce que je pense, ce que je veux faire. Et à partir de là, à partir du moment où tu kiffes vraiment, tu vas voir que ça va partir tout seul. Mais à partir du moment où tu vas gagner de l'argent, je te conseille vraiment de te former financièrement parce que du coup, la note, elle va être très salée. T'imagines que si je travaillais
En auto-entrepreneur classique, c'est quoi l'auto-entrepreneur? C'est quoi? C'est la micro-entreprise? Micro-entreprise, ouais, ou auto-entrepreneur. Donc, auto-entrepreneur ou micro-entreprise, si je faisais un chiffre d'affaires de 5 000 mensuels, je devrais en donner, c'est quoi? C'est 1 200, un truc comme ça à l'État? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. 1200. 1 200 mensuels à l'État, plus les impôts derrière. Plus, bah, en fait, c'est là où j'ai tiqué, c'est que derrière, tu as tous les frais, tu as tous les frais déplacement au prix de l'essence actuelle. Tu as le frais de déplacement, tu as les. Imaginons que tu bouffes là-bas, que tu ailles acheter un truc, etc. Ça, c'est encore des frais qui sortent de. Tu as ton temps de préparation de cours. À l'époque, au tout début, où je devais mettre peut-être 2-3 heures face au miroir à m'entraîner, à répéter, tout ça pour que ma choré, en plus, ça soit pas ouf, on va pas se le cacher. C'est du temps de travail, clairement, pour vous. Maintenant que ça me prenne 30 minutes, j'ai bossé pour que ça me prenne 30 minutes. Donc certes, je ne pense pas à ce temps-là comme étant un temps que je dois facturer, mais quand je vends une prestation, le patron de salle, il ne sait pas que ça me prend 30 minutes. Peut-être que pour lui, il se dit, bah ouais, c'est vrai que ça demande du temps. Donc, eh ben voilà, c'est parfait, tu as la très bonne idée. Donc c'est là où je peux augmenter mes prix, taper dans les prix hauts pour ceux qui veulent vraiment ce genre de prestations. Et moi qui veux juste pouvoir bien vivre, parce que ça m'a permis aussi de faire de l'immobilier, ça m'a permis d'avoir un temps libre derrière, qui est quand même colossal. Le jour où j'adore jouer aux jeux vidéo, le jour où j'ai envie de passer 8 à 10 heures juste aller sur, je fais ça parce que ma télé est derrière, sur Fortnite, ben je peux passer 8 à 10 heures sur Fortnite, c'est pas un drame. Ma chorale est déjà dans ma tête, je sais que le soir, à 18 heures, je suis chaud patate pour donner des cours. Là, on m'a encore dit que j'étais solaire jeudi, j'ai trouvé que cette information, ça m'a fait, mais parce que du coup, bêtement, le ski, c'est pas fait pour moi, je suis tombé, je me suis fait mal à la côte. Donc, j'ai voulu baser ça sur mon cueing verbal, beaucoup de consignes, et on m'a dit, ah, oh, ben t'es solaire. Ben oui, mais je suis solaire parce que je suis heureux dans ma vie. J'ai pas de problème d'argent à la fin du mois, j'ai pas de problème d'impôts, j'ai pas de. En fait, je vis une belle vie. Je vis une belle vie depuis que je me suis éduqué financièrement. Ouais. Et donc le fait que tu disais tout à l'heure que ça coûterait, si tu étais toujours en micro-entreprise, 1200 à peu près de cotisation URSSAF, aujourd'hui ça te coûte combien à peu près par mois? Bah, par mois, 10 balles. 10 balles, 10 balles au lieu de 1200, tu vois. C'est vrai que ouais, quand tu on dit comme ça, c'est vrai que c'est exactement ça. Mais ça me coûte, ouais, non, ça me coûte que 10 balles. Ah, 10 balles, c'est. après, bon, il y a quand même la CIPAV, etc. Il faut rentrer les frais en tout, mais en tout et pour tout, à l'année, ça doit me revenir à 1 500. Mais à 1 500, tu peux voir ça comme étant énorme. Parce que si tu gagnes 1 500, comme tu me disais tout à l'heure, qu'il y avait certains coachs qui n'arrivaient pas, qui se trouvaient plafonnés à 1 500, 2 000, c'est sûr que ça peut te faire une mensualité. Mais 1 500. Quand bah, tu fais 5 000 et tu multiplies ça par 12, ça fait 60 000. Bah, 1 500 sur 60 000, c'est une goutte d'eau, hein. C'est pas énorme du tout. Alors, si certains d'entre vous ne savent pas trop ce qu'est la déclaration contrôlée, et si vous êtes sur YouTube, en fait, si vous avez envie de savoir un peu plus ce qu'est la déclaration contrôlée, je vous invite à regarder le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Bien évidemment, ça va apparaître que si vous êtes sur la chaîne YouTube Christophe Batz Coach Academy, et puis vous allez pouvoir aller voir les vidéos qu'on a déjà faites, justement à propos de la déclaration contrôlée, ce sera plus clair pour vous. C'est-à-dire que ce que veut dire Maxime, c'est que là, pour la déclaration contrôlée, vous pouvez déduire tous les frais professionnels que vous avez, les chaussures, les déplacements, les vêtements, l'ordinateur, le smartphone, enfin, vous pouvez tout déduire à partir du moment où c'est professionnel, évidemment. Contrairement à la micro-entreprise, ah ben voilà, il a deux, t'as même pu t'offrir deux iPhones, c'est un truc de ouf. Les deux derniers Samsung, j'ai enfin avant-dernier du coup, 21, 22, bah, maintenant cette année sera le 23. Et donc, il te reste, rien qu'en ayant acheté ces deux smartphones, il te reste de la marge encore pour vivre derrière. Oui, bah, alors là, par exemple, on est le combien? On est le 12. Ouais. Toutes mes charges sont payées et il me reste. Et 3 974 euros. 4 000 euros, 4 000 balles. quoi. D'accord. C'est où? Et alors là, par rapport à ce que tu venais de dire, en fait, moi, si je dois synthétiser un petit peu tout ça, il y a deux choses que je peux repérer dans ce qui t'a permis justement d'accéder à ce haut niveau de rémunération et de qualité de vie. C'est un, le fait que déjà tu t'es libéré par rapport au prix, c'est-à-dire que tu n'as plus de complexe, tu t'es
décomplexé, c'est ça, Complexé. tu t'es décomplexé par rapport au prix, parce qu'à un moment donné, bah, voilà, le prix, c'est vraiment ce qui freine, et ça, on le dit depuis un bon bout de temps. Si aujourd'hui, la majeure partie, vous êtes entre 30 et 35 euros de l'heure, ce qui est à peu près la moyenne nationale, hein, pour le cours, en fait, c'est vous bloquez par rapport au prix, et qu'il y a possibilité de faire comme Max, c'est-à-dire à un moment donné, de se décomplexer et d'accéder à des prix beaucoup plus hauts. Ça, c'est la première chose. Donc, un, c'est le fait que au plus profond de nous, parfois, on a des croyances et puis on a aussi notre historique personnel qui joue énormément là-dedans. Et ben ça, on peut le casser en mille morceaux et justement vous décomplexer par rapport à ça. Dites-vous tout simplement que c'est dans votre tête, tout ça, et que à un moment donné, c'est pas, on pense que c'est l'autre qui ne va pas accepter, que c'est les patrons de club qui ne vont pas accepter, mais par contre, c'est faisable parce que le blocage est souvent dans notre tête. Vous y croyez, vous y croyez pas. Peu importe. En tout cas, Maxime est la preuve que, effectivement, c'est dans sa tête. Il vient de le dire tout à l'heure. C'est que, en fait, il était aligné. Et la deuxième chose qui est importante et que tu as dit, Maxime, c'est que tu t'es spécialisé. Aujourd'hui, si par exemple vous faites la même chose, vous proposez les mêmes cours que tout le monde, forcément vous êtes à un prix qui va être un prix qui va être tiré vers le bas, parce que quand vous êtes dirigeant d'entreprise, dirigeant de club, de salle, de forme, et que vous avez devant vous, vous avez, je sais pas, 4-5 coachs qui se présentent pour donner le cours dont vous avez besoin, c'est-à-dire le cours, je sais pas, de body pump par exemple, et que vous êtes dirigeant de club, devant vous il y a 5 coachs qui viennent, et ben vous allez prendre forcément, puisqu'ils font tous du body pump, et même si la qualité elle n'est pas forcément équivalente pour tous, okay, il va prendre le moins cher. Donc en fait, ça va tirer tout le monde vers le bas. Or, Maxime, ce qu'il a fait, il a tout compris, parce que il est allé chercher une spécialité, quelque chose que les autres n'ont pas, et quelque chose qui est rare, et tout ce qui est rare est cher. C'est ça, Max. C'est exactement ça, c'est que à partir du moment où personnellement, je pense qu'on a tous la peur du non, la peur du rejet. Moi, personnellement, par rapport à mon histoire, j'étais adopté, tout ça, j'ai toujours eu cette peur du rejet. Et au début, je n'osais pas m'affirmer, clairement. Mais quand je voyais que je bossais plus que les autres, parce qu'il y a une règle qui est sine qua non, si vous voulez être meilleur que les autres, hormis bosser plus que les autres, je vois pas comment ce sera possible. Donc je bossais plus que les autres, mais je touchais moins, parce que du coup je devais des fois aller loin. Je devais, bah ouais, si on prend les 2-3 heures de création de chorégraphie, je bossais plus que les autres, mais je touchais moins, parce que j'avais du temps que je ne rémunérais pas. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je vois des personnes, parce que c'est vrai que des fois tu as mis en avant des coachs, mais qui gagnait des sommes faramineuses. J'ai vu une fois un 240 000 euros à l'année dans un coach que tu avais accompagné à un moment, et je me disais, mais comment lui il peut faire ça? Alors que moi j'étais avec mon 17 000 à l'année, et je me disais, mais c'est juste pas possible. Et au final, en fait, force de côtoyer des personnes qui sont dans un cercle différent déjà, parce que du coup je pouvais pas rester avec des coachs qui allaient, c'est toujours des amis, hein, mais qui sur un moment donné me tiraient vers le bas en me disant, oui, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible selon la vision de qui? Parce que du coup, si je me référais à la vision de Christophe, c'était possible. Si je me référais aux coachs qui ont été coachés par Christophe, c'était possible. Je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et là, bah, du coup, tu as dû avoir, Christophe, tu as eu Guillaume Viss, le grand, et qui est, bah oui, que tu as fait intervenir, qui lui, du coup, est passé par, ouais, exactement, la beubar, qui est passé par toi et qui a commencé par la décla contrôlée. Et qui du coup maintenant s'est embarqué dans les massages. Donc lui pareil, il s'est hyper spécialisé dans les massages, et il est passé, bah pareil, hein, c'était un petit niveau de vie un petit peu comme moi, il devait être sur un 2 200 par mois, etc. Là maintenant il est entre 5 à 6 000. Et du coup c'est pas qu'on se tire la bourre, mais c'est un peu le concours de bites, quoi, avec tiens, bah moi j'ai gagné tant, ah bah moi j'ai gagné tant, ah. Et actuellement, je suis le perdant. Il est à 6 000, là où je suis à 5 000. Mais voilà, vous voyez, c'est des concours où on est plutôt en train de se tirer vers le haut. Là, récemment, pareil, je tire des potes vers le haut, et c'est Loïc Lebozec qui a été vers Christophe, et qui lui aussi est intéressé par augmenter son niveau de vie, parce qu'il est plus satisfait de. À partir du moment où vous êtes plus satisfait, vous savez qu'il y a une action à faire, et tout est possible à partir du moment où vous y croyez et vous y mettez les moyens. Vraiment. Très, très, très sincèrement. Et tu étais à 1 400 quand tu étais salarié, quoi. Les Comme quoi 400, ouais. c'est possible. Alors, ce 1 400, que ouais. tu dis, c'est vraiment très, très important, parce que souvent, là, tu as parlé de l'environnement proche. C'est-à-dire que si on reprend, vous connaissez vraisemblablement le best-seller La semaine de 4 heures. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Dans La semaine de 4 heures, à un moment donné, il y a un court
passage, mais vraiment très très court, mais qui est très important, où Timothy Ferris dit, à partir du moment où vous vous entourez de personnes qui vous tirent vers le bas, vous n'allez pas progresser. Du jour où vous allez vous sortir de cet environnement qui est, entre guillemets, toxique, eh bien, en réalité, vous allez progresser. Donc, il faut, et c'est Timothy Ferris qui le dit, et comme Maxime le dit, hein, aller vers des personnes qui sont des personnes qui déjà sont pas comme vous, mais qui sont un petit cran au-dessus, côtoyer des coachs, des copains, des environnements familiaux, amicaux, etc. Et puis vous allez voir, vous allez simplement vous débrider et ça va monter tout seul. Ouais, des gens inspirants en fait. Ouais, c'est ça qui m'a le plus séduit, c'était que entre une sphère sur laquelle c'est des amis et c'est même maintenant c'est toujours mes amis hein, parce que c'est toujours Guillaume et Loïc, mais sauf que du coup à un moment me tirer vers le bas parce que eux n'y croyaient pas. Ça ne veut pas dire que je dois me séparer complètement de ces personnes. C'est juste que sur une thématique, je me dis ben voilà, c'est pas vous que je veux écouter. Je veux plutôt m'écouter moi, aller dans un truc dans lequel je crois, m'entourer de personnes qui vont m'inspirer. Alors j'avais dans le fitness, j'avais Rémi Huleux qui, bah pareil, qui est un monstre de travail et qui a jamais écouté. Il m'avait raconté un petit peu sa vie. Sa famille croyait pas en lui. Et à un moment, j'avais été en Italie, j'étais à Prato sur un événement avec lui et il me disait que il avait vu ses parents et il leur avait un peu raconté son rêve et ses parents qui leur disaient ah non mais mon fils tu devrais pas là là et il a dit ah stop je vous coupe tout de suite ce que je viens de vous dire c'était à titre informatif je vous posais pas du tout une question et il est parti et actuellement Rémi gagne plus que vous et moi réunis hormis Christophe peut-être mais enfin, bref il gagne énormément d'argent parce qu'il a juste cru en son rêve et je me suis dit encore une fois bah ouais pourquoi pas moi. Donc j'avais Christophe qui m'éduquait financièrement, j'avais Rémi qui m'éduquait dans le fait que prof de fitness, c'était pas juste donner tes cours, tu pouvais faire d'autres choses à côté et les faire fructifier. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai arrêté le CDI. Je commençais à sortir au fur et à mesure du CDI, je prenais de moins en moins d'heures, même si j'aimais bien ce que je faisais. Mais à partir du moment où tu kiffes, bah, autant que ça rentre dans ma poche plutôt que dans la poche d'un autre, quoi. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Rien que simplement en changeant d'environnement et de mindset, donc d'état d'esprit. Ah ouais. Au début, j'étais plus dans le, bah, tu sais, quand on est jeune, tu m'as toujours connu électron libre, et je pense que de toute façon, c'est clairement ma personnalité, je suis plutôt électron libre. Mais même dans cet électron libre, j'avais toujours eu une envie de pouvoir aller plus loin, sortir de ma condition de base. Et de toute façon, c'est la chose qui m'a le plus séduit chez toi. C'est vraiment le fait de pouvoir, bah, d'une, croire en nous, dans tes élèves, dans tes coachés. Et le fait de nous donner les billes. Bien sûr, après, c'est comme tout, hein. Et on donne une bille, c'est pas parce que tu as la bille que tu vas gagner. Il faut que tu t'en serves de cette bille. Mais vraiment, les applications au fur et à mesure. Une super chose que j'avais faite aussi, d'ailleurs, c'est la Bible du personal trainer. Je sais pas si vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous êtes au bon endroit d'ailleurs. Mais dans la Bible du personal trainer, énormément d'informations pour augmenter ses prix. En fait, en gros, à peu près toutes les formations de Christophe réunies dans un bouquin. D'accord? Vous avez énormément d'informations. Et c'est pareil, je me faisais des. Je sais pas si tu te rappelles, mais pareil, j'avais pris le bouquin. À chaque page qui m'intéressait, je faisais des encornures. Bon, alors, ton livre, il est un petit peu, je l'ai un petit peu défoncé, mais j'écrivais dessus pour me dire, tiens, ben voilà, c'est ça que je veux faire, mais je me mettais les prix, je calculais si je fais ça, est-ce que ça, je fais ça, au mois, ça me fait ça, à l'année, ça me fait ça, si je vends 40, si je vends 50, si je vends 60, si je vends 70. Je me suis fait tout mon petit tableau. Et ça m'a permis de faire une chose, c'est de conscientiser. Donc, vous avez peut-être entendu un petit peu ce terme si vous accompagnez des gens pour la perte de poids, mais le fait de conscientiser, d'écrire une chose, ça vous permet de vous dire, ah ouais, clairement, si je vends mon prix de cours à 40 euros, au mois, je peux tirer ça. Par contre, si je le vendais à 60 euros, donc qui était ma première étape, j'en tirais ça. Et bien, tu vois, pour 20 euros de plus par cours, multiplié par le nombre de cours, imaginons, je sais pas, moi, que tu fasses 10 cours à la semaine, ben 20 euros de plus, c'est 200 balles de plus. Mais 200 balles de plus à la semaine, sur un mois, c'est 800 balles. Tu en fais des choses avec 800 balles à l'époque actuelle. Eh ben, c'est la même chose, sauf que je suis passé de 40 maintenant à 83. Et mon objectif, là, je me suis dit qu'avant la fin d'année, je vais être à plus de 90, voire peut-être, si je peux, à 100. Ah, 100 c'est euros beau. du cours. Ouais, parce que 100 euros du cours, ça me ramènerait à un 6002 mensuel. Allez, pour 5 heures, 50 heures de travail par 50 mois. heures de travail, ouais, non, pas plus. Le reste du temps, tu es sur les jeux vidéo.
En fait, je peux me le permettre. Je ne suis pas que là-dessus, parce que du coup, ce qui est bien, c'est que quand tu as du temps libre, alors au début, je l'ai utilisé comme un enfant, entre guillemets, oui, aller que sur des jeux vidéo. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, du coup, ce temps libre, j'ai envie de le rentabiliser pour avoir quelque chose que je peux ne pas aller bosser de manière physique. Et ça, après, c'est encore d'autres choses, mais ça reste de l'éducation financière à partir du moment où, encore une fois, grâce à la déclaration contrôlée, je n'ai pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui me dit qu'à chaque fois que je gagne un euro, 25% va à l'État pour l'URSSAF et je ne sais pas combien de pourcents par rapport aux impôts. Bah, tu sais, pour revenir à ta remarque sur le livre, La Bible du personal trainer, c'est normal. Je préfère, si tu veux, qu'il soit corné, qu'il soit souligné, qu'il soit surligné, parce que c'est comme ça qu'on arrive à savoir s'il a été exploité correctement ou pas. Et moi, tous les bouquins, vous savez, tous les mercredis matin, j'ai ma matinée lecture, et donc je bloque tous mes mercredis matins pour lire. Et tous mes bouquins, ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont cornés, ils sont soulignés, ils sont surlignés. Si vous avez La Bible du personal trainer et qu'elle est nickel, comme si elle n'avait jamais été sortie de son emballage, si vous n'avez pas les pages qui ont été griffonné, surligné, corné, avec des post-it un peu partout, ça veut dire que vous ne l'avez pas exploité vraisemblablement au max comme l'a fait justement Maxime. Ouais, ça revient un petit peu à l'idée que j'avais tout à l'heure de la bille. C'est qu'on vous donne même la meilleure des. Moi, j'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup voyager dans ma tête, etc. Mais on peut te donner la meilleure épée du monde, avoir tout ce que tu veux, la meilleure arme du monde. Si tu es une quiche et que tu ne l'exploites pas comme il faut, foutu, hein. Ça sert à rien de. La Bible, personal trainer, c'est vraiment. Je crois que c'est 2 kilos qui fait le bouquin, je crois, de mémoire. Ouais, 2 kilos, ouais. Et 500 pages, 2 kilos. C'est 2 kilos, mais c'est une vraie arme en main. Et ça a été encore une fois de plus un tremplin qui m'a permis de. Parce que les formations, je trouve ça hyper bien. On retient plus ou moins les informations, mais là, vous les avez avec vous sur l'instant T. Et vous pouvez les et vous pouvez les relire autant de fois que vous voulez. Donc, c'est à mon sens un des achats les plus utiles que j'ai fait. Le bouquin, il a 180, 160, un truc comme ça. Rappelez-vous encore une fois, 180, ça peut paraître cher à un instant T, mais 180 sur 60 000, Ouais, c'est rien. c'est un super retour sur investissement. C'est vrai, tout le monde me fait la remarque. C'est Joe Cirulli qui disait, si vous n'appliquez pas ce que vous apprenez, apprendre ne sert à rien. Ouais, belle phrase. Je connaissais pas, mais très Ouais, belle phrase. c'est clair, hein, si on peut acheter des bouquins, si on ne les utilise pas, en fait, on a acheté un bouquin, point, en fait, c'est perdu. Alors que, comme tu dis, toi, tu l'as exploité en retour sur investissement. Et donc, de 180 euros, ça t'a ramené peut-être plus de 60 000 euros. Ouais, je ne pourrais même pas te dire le combien, parce que c'est vraiment le. Puis, enfin, exploitez-le à votre manière. Ce n'est pas parce que c'est la Bible du personal trainer. N'a rien à voir avec. C'est pas la Bible du prof de freestyle. Hein. C'était la Bible du personal trainer. Mais ça vous donne une idée. Une fois que vous avez votre idée, vous l'appliquez à votre manière. Et c'est même pas un manque de respect pour Christophe. Lui, il a mis ça pour donner de sa connaissance. Et vous allez en faire de votre connaissance de l'autre côté. Donc vraiment, non, c'est. Utilisez-le comme bon vous semble, à partir du moment où ça vous fait grandir. Tu sais, là, tu parlais tout à l'heure de 240 000 euros pour un coach que j'avais accompagné. On a explosé les chiffres. Là, je ne sais pas, tu n'as peut-être pas suivi, mais on est passé à 1 million 2. C'était celui qui avait le plus, si tu veux, augmenté le plus ses recettes et qui, pour moi, à l'époque, parce que ça remonte à 6-8 ans, qui, pour moi, à l'époque, était celui que je connaissais parmi tous les coachs que je connaissais. Je ne les connais pas tous, évidemment, mais qui avait développé le plus gros chiffre d'affaires à lui tout seul. Et là, c'est Vincent Tachoir de La Réunion qui a Vincent, voilà. dépassé les 1 million d'euros. Bon, il a 5 coachs avec lui, hein, mais il a dépassé les 1 million d'euros et devrait arriver à 1 million 2 cette année. C'est un truc de dingue. Comme la preuve que vraiment rien n'est. Et bah voilà, c'était ce Vincent, je me rappelais de Vincent, je me rappelais pas du tout le nom de famille, mais c'était lui, ouais, où je m'étais dit, mais comment est-ce qu'il peut faire des sommes pareilles alors que moi je me casse le cul pour 17 000 balles à l'année ou 18, enfin je sais plus combien c'était, mais je trouvais qu'il y avait un gap qui était tellement énorme. Et bon, ce qui est marrant, c'est que je trouve encore qu'il y a un gap qui est énorme, mais je suis plus dans le même monde. Et puis je suis pas dans le concours, je suis dans le concours de beat. Très sain avec Guillaume, mais je suis pas dans le concours de beat malsain. Si je me compare avec Christophe, qui est pareil, qui est un monstre de travail, si je me compare avec Rémi, si je me compare avec ce Vincent, bah, je suis une goutte d'eau, hein, dans cet océan. Mais je suis hyper content de moi
pour une discipline dans laquelle personne croyait, parce qu'il y avait, tu sais, cet hashtag au bout d'un moment, le freestyle c'est mort ou je sais pas quoi. Non, j'ai cru en un truc que je pouvais faire. Je me suis donné les moyens. Et maintenant, ben voilà, j'arrive à faire les choses pour moi. Je gagne moins que certains, beaucoup plus que certains. Mais en vrai, je suis heureux. À partir du moment où je suis heureux, je peux faire ce que je veux. Je peux aller, si j'ai envie d'aller crier, si j'ai envie d'aller marcher, si j'ai envie d'aller jouer, si j'ai envie, je peux le faire, je peux me le permettre. Permettez-le-vous, faites-vous plaisir. Je suis ravi pour toi. C'est en fait une bonne occasion de faire comprendre à notre communauté qu'il y a possibilité d'augmenter, il y a possibilité de progresser. On reste pas à un niveau, on progresse régulièrement. Mais par contre, ça veut dire effectivement, comme dit Maxime, c'est qu'il faut s'en donner les moyens à un moment donné. Franchement, je suis vraiment super content de ce qui t'arrive. Et puis, je te souhaite forcément de dépasser les 100 000, mais tu vas y arriver avec les projets dont tu m'as raconté. Et puis, franchement, je sens que ça va. Est-ce que tu pourrais nous donner, parce que là, tu nous as parlé de la déclaration contrôlée qui t'a permis justement de pouvoir économiser des cotisations et de l'impôt. Si tu devais nous donner trois avantages et trois inconvénients maximum de la déclaration contrôlée, ce serait quoi? Alors, l'inconvénient majeur, je suis honnête avec vous, moi, c'est les papiers. Les papiers, ça me saoule un point. Vous savez, comment ça s'appelle ça? La politique de l'autruche. Des fois, je voyais des papiers, bon, je mettais la tête, je me disais, allez, voilà, je me mets sur le côté, on attendra la relance. Je n'ai pas beaucoup évolué sur ce principe-là, mais vu qu'il y a beaucoup moins de papiers, c'est cool. Mais je suis toujours, c'est la déclaration contrôlée, il y a de l'administratif à faire, c'est une règle, c'est sine qua non. Et c'est vraiment, à mon sens, le pire. Parce que tenir une comptabilité, ça va, maintenant il y a des applications qui sont faites pour ça, donc je trouve pas ça hyper pénible. Et au pire des cas, vous pouvez même embaucher un comptable derrière, ou bah, nous on a embauché même un, je dis nous parce qu'il y a ma copine qui est à côté, mais un gestionnaire de patrimoine qui nous fait vraiment le tout. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être gérées, mais vous pouvez faire vous-même si vous en sentez capable. Et après, par exemple, donc, dans les points positifs, en vrai, c'est le fait de ne pas payer de charges, quoi. De quasiment pas payer de charges, pour être honnête, parce qu'il y en a quand même, mais c'est vraiment trois fois rien. Deuxième avantage, c'est d'avoir la possibilité d'augmenter ses prix sans en donner, encore une fois, à l'État. Et un troisième avantage de la déclaration contrôlée. Non. Non, enfin, en fait, vraiment, moi, c'est par rapport à ce fait-là de pas être taxé. De réduire la note Ouais, énormément, parce que parce que effectivement, je j'ai dis rien de pas être d'accord. taxé parce que je le compte vraiment pas du tout. C'est plus du tout. Parce que y a même plus, il n'y a plus la CFE, y a plein de trucs qu'il n'y a plus. Mais pour ça, ouais, formez-vous de ouf, parce que du coup, ça, c'est ce qui va faire que vous allez perdurer dans ce métier-là. On a un métier qui est extrêmement beau, qui, pour moi, à mon sens, devrait même être reconnu par le ministère de la Santé pour pouvoir permettre aux gens d'être remboursés, etc., etc. Mais malheureusement, vu qu'on est dans une usine du fitness où on va prendre un coach, l'exploiter autant qu'on peut sur ses compétences, moi, c'était les cours dansés. Donc, quand il y a eu la Zumba, quand il y a eu, etc., on mettait trois ou quatre fois la Zumba dans la semaine. J'en avais ras-le-cul. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Et ce qui fait qu'il y a le fameux cap des 2 ans dans lequel beaucoup d'éducateurs arrêtent parce qu'ils n'y trouvent plus du tout leur avantage. Physiquement, c'est éprouvant. Financièrement, ils ne gagnent pas assez. Financièrement, ils payent trop de taxes. Ils ne peuvent pas avoir leur propre appart. Ils ne peuvent pas partir en vacances. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Maintenant, je n'ai pas du tout cette problématique. Là, je reviens du ski. J'ai loupé une semaine de travail. Ça m'a quasiment rien changé. À 1 000 euros près. Mais c'est pas un drame. Ouais, c'est super intéressant. Donc ouais, effectivement, le but du jeu, c'est de réduire la note fiscale et la note sociale. La note sociale, c'est l'URSSAF, hein, globalement, et la note fiscale, c'est les impôts. Et ça se fait assez facilement. Alors j'ai, parce que tu parlais effectivement en côté critiquable, c'était effectivement l'administratif. Alors oui, c'est vrai, il faut tenir un peu de papier. Enfin, faut l'organiser du moins. Alors c'est pas compliqué. Je vais vous montrer moi mon classeur pour vous montrer. Voilà, ça fait ça. Moi, je suis en déclaration contrôlée. Voilà, j'ai ça.
J'ai ça de papier pour l'année 2022. Donc, j'ai juste ça. Bon, ça demande simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez voir à nouveau les vidéos hein, sur la chaîne YouTube, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est relativement simple. À chaque fois que vous faites une dépense, vous gardez la facture, vous demandez la facture, vous la mettez dans l'onglet janvier, février, mars, avril, mai ou un autre mois qui correspond. Donc, voilà, vous faites deux trous, vous mettez ça dans votre classeur, vous le gardez de côté. Et pour, là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Vous l'avez vu en ce moment, vous en entendez parler avec Midjourney, ou ChatGPT ou d'autres, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ben, pour la comptabilité, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir fait des études de comptabilité. Vous avez de l'intelligence artificielle pour 24 euros par mois qui vous fait votre comptabilité quasiment à 80%, quoi. Hyper utile d'ailleurs. Parce que du coup, au début, ouais, faire ses papiers soi-même, c'est pas facile. Mais aidez-vous, pareil, il y a tellement de facilité maintenant à pouvoir atteindre un objectif. Juste mettre un tout petit peu d'argent et 24,90, pareil, par mois, c'est pas fou, quoi. C'est le prix d'une salle, même moins cher. Est-ce que tu dirais que tu peux, par exemple, un coach qui décide de passer de micro-entreprise en déclaration contrôlée, est-ce que le passage est facile pour toi? Ou est-ce qu'il a été facile pour toi? Ah bah oui, parce que je crois, de mémoire, je crois que c'est trois courriers qu'il faut aller envoyer. Il y avait URSSAF, SIPAV et le Centre des impôts, je crois que c'est ça. Non, il n'y en a plus qu'un maintenant. Ah ok, bon, bah moi à l'époque, il y avait trois courriers. En plus, alors, en plus, je crois que tu nous les avais pré-rédigés. En fait, ouais, tout était rédigé, il y avait juste à mettre nom, prénom, SIRET, tout ça, et adresse. Et du coup, ouais, non, ça s'est fait, on va dire, comme une lettre à la poste, mais c'est exactement ça en plus. Et si tu n'avais pas eu ces courriers-là, est-ce que tu penses que ça aurait été facile de faire le passage? Non, 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 faut être honnête. Encore une fois, je déteste l'administratif. J'aurais jamais cherché aussi loin. Parce que je suis comme ça. Après, si quelqu'un qui lit cette vidéo, que ce soit maintenant, actuellement en live ou sur YouTube, moi, je me connais. Je sais que si tu me donnes une tâche administrative qui m'intéresse pas trop, que je vais voir trop grosse, soit je vais vouloir payer quelqu'un pour le faire, soit je vais pas le faire parce qu'il y a personne qui peut me le faire. J'ai choisi de payer. Bah c'était la formation, je sais même plus le prix de la formation, ça devait être 300-400 balles, mais encore une fois, 300-400 balles pour les informations, les courriers qui étaient déjà prêts, j'avais juste à envoyer, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait vraiment tout seul. Est-ce que aujourd'hui j'ai une autre question? À moins que vous en ayez, non? Vous avez des questions, vous? De votre côté? Pas forcément. Moi, j'ai une autre question qui pourrait intéresser ceux qui vont nous regarder. C'est notamment, est-ce que selon toi, tu es une exception ou on peut, enfin, tu penses que certains coachs qui étaient comme toi avant à 1 400 euros, 2 000 euros par mois, ton cas pourrait être duplicable. C'est-à-dire que d'autres coachs pourraient arriver à des résultats similaires selon toi. Alors, là, tout à l'heure, tu as soulevé un petit peu une idée qui, à mon sens, est plus que vraie. C'est que si vous faites les mêmes cours que tout le monde, ça va être dur. Ça va être dur parce que, du coup, si vous. Les Smills, j'ai rien contre vous si vous êtes coach adorateur de Les Smills. Moi, j'ai jamais adhéré, personnellement. Et en plus, être plafonné entre, dans ce que je vois là, dans des collègues qui sont compétentes. En plus, je pense à deux collègues là qui sont compétentes, mais qui sont payées 27 euros. L'heure, c'est que malheureusement, sauf si vraiment vous travaillez du matin au soir et du soir au matin, je vois pas du tout comment vous allez pouvoir faire. Donc moi, ma spécialité freestyle, je vous l'ai dit au tout début, ça, en m'hyper spécialisant dans quelque chose que peu de gens font, mais maintenant vous n'avez pas forcément que le freestyle, hein, vous avez le pilates, il y a le pilates flow, il y a le yoga, il y a le flying yoga, il y a plein de spécialités qui vont être recherchées par un type de club. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez ce type de club. À partir du moment où vous avez votre spécialité, que vous bossez plus que les autres, que vous avez votre spécialité à vous, votre spécificité, vous allez pouvoir le dupliquer. Pas forcément enfin, de la même manière que moi, mais pas forcément dans le freestyle. Trouvez juste ce qui vous permet de. Et après, il y a des choses qui sont logiques et rationnelles. C'est vrai que le cours de renfo, le cours de stretch, le cours Les Mills, ça va être dur de le vendre plus cher. Mais c'est peut-être que ma croyance limitante actuellement. Ça, je pourrais pas vous dire. Il faut que vous le tentiez si vous savez que vous avez quelque chose de plus que le coach voisin. Si vous apportez plus au club dans lequel vous travaillez, ouais, vous gagnerez plus. C'est sine qua non.
Ouais, soyez différents. De toute façon, la différence amène la préférence et amène de la valeur. De toute façon, ça, c'est clair. La différence va vous apporter de la valeur. Tout ce qui est rare est cher. Donc, c'est vrai que, comme disait Maxime, les cours de yoga sont des cours qui sont, on le voit sur Emploi professionnel de la forme France sur Facebook, hein, le groupe où il y a le plus de coachs sportifs et de salles de sport. On voit quels sont les taux. Et c'est vrai que des coachs qui, on va dire, des coachs avec des cours basiques qu'on retrouve un peu partout sont plutôt appelés entre 30 et 35 euros. 35 euros, c'est la fourchette haute. Et on le voit effectivement pour des cours de yoga. Là, j'ai vu ça, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, 60 euros de l'heure. Pour des cours de pilates, c'est pareil, on est entre 40 et 60 euros de l'heure, comme pour le yoga. Donc, à partir du moment où on va ch se chercher une spécificité, quelque chose qui est rare, qui est très demandé, forcément, le taux augmente. Parce que quand vous êtes patron de salle et qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à trouver un prof de yoga, mais que vous voulez un prof de yoga, eh ben, vous allez prendre celui qui va arriver, et puis vous allez vous dire, de toute façon, il n'y a que celui-là sur le marché. Donc, soit je ne mets pas du tout de yoga, par exemple, sur mon planning, soit je prends ce prof qui est à un prix qu'il a défini. Bref, voilà quoi. Et en personal training, c'est la même chose, hein. Personal training, je l'explique dans le livre à un moment donné, c'est que si vous allez vers des disciplines ou des outils qui sont différents des autres, vous allez sortir de la masse et vous allez tourner, enfin, les yeux vont se tourner plus facilement vers vous. On parlait de l'hypnose, ça c'est un truc qui est hyper courant. Là, c'est la grande tendance, c'est l'hypnose et le coaching sportif. Donc l'hypnose, par exemple, c'est un outil qui est extraordinaire. Et là, vous faites une réputation qui monte, mais à une vitesse phénoménale, parce que les autres coachs ne sont pas formés à l'hypnose. Et avec l'hypnose, vous pouvez réussir à avoir des performances sportives qui sont des trucs de dingue, donc des résultats de ouf derrière. On parlait de la PNL il n'y a pas très longtemps. On parlait des massages sportifs. Tiens, tu en parlais avec Guillaume. Guillaume, lui, s'est spécialisé, coach sportif, s'est spécialisé dans les massages sportifs. Aujourd'hui, il est à 6 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de coachs qui ne sont pas spécialisés ou qui n'ont pas mis l'outil massage sportif dans leur personal training, qui n'ont pas mis à disposition des gens. Et il travaille que 3 jours. Guillaume, il n'a pas besoin de travailler plus. Donc il est sur 24, non, même pas. Même De pas quoi? 24 heures. Non, il doit être à combien? Il est Ah non, à. je ne sais pas. Je pourrais, en termes d'heures, je ne pourrais pas te dire. Parce qu'il a quand même des journées costauds. Mais il doit tourner, ouais, peut-être 6-7 massages. Mais du coup, son prix est même plus élevé que le mien. Moi, je fais 83. On me dit déjà que c'est incroyable. Lui, il est entre 120 et 160. Alors, oui. En fait, en gros, il gagne le double du mois que par rapport à moi par heure, ce qui fait qu'il y a un moment, oui, il gagne plus. Et il travaille moins. Donc, ben, moi, j'ai à lui. J'ai à lui. C'est à moi de travailler plus. C'est pour ça que je veux gagner la guerre. Et ouais, et tu vas travailler sur des petits projets qui vont te permettre Exactement. d'augmenter tes recettes encore. Super. Parce que ça me donne du temps libre. Et une phrase que là a dite Christophe là, quand il parlait, mais définissez vos prix. Le prix qui vous fait mal à la gueule quand vous l'annoncez, c'est que ce n'est pas encore le bon prix. C'est que vous n'êtes pas 100% aligné avec ça. Donc, travaillez déjà sur vos croyances limitantes. Ne pensez pas que le prix indiqué est le prix maximum que la salle peut donner, parce que la salle, elle peut donner plus, c'est qu'elle ne veut pas donner plus. Ça, c'est complètement différent de ce qui est annoncé. Donc, définissez vos prix et acceptez le non. On peut vous dire non. Il y a des salles qui me demandent, je donne mon prix, on me dit, ah non, c'est trop cher pour moi. OK, c'est pas grave. Je travaillerai ailleurs, ou même je travaillerai pas parce que j'en aurais pas besoin. Et ouais. Soyez alignés, vraiment. Être aligné avec ses prix, être décomplexé, effectivement, tu as raison, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en rapport avec le cerveau, c'est-à-dire, comme le disait Maxime, c'est que si le prix, déjà, vous le posez, mais que votre corps ne l'accepte pas, que votre cerveau ne l'accepte pas, vous n'arriverez pas à vendre à ce prix-là. Vous n'arriverez pas à faire accepter ce prix-là. Donc, ce qui est très, très important, on l'a fait au FITEX, au salon du FITEX en octobre dernier. On a fait l'expérience avec ceux qui étaient là, les coachs qui étaient présents, qui s'étaient déplacés pour suivre les conférences. On a fait une expérience incroyable. C'est qu'on a fait ressentir le prix pour chacun. Et on voyait que certains s'étaient mis à un prix qui était trop haut et leur corps ne l'acceptait pas, leur esprit ne l'acceptait pas au travers de cette expérience, ce qui fait qu'on comprenait pourquoi ils n'arrivaient pas à augmenter leur prix. Et d'autres qui étaient à des prix qui étaient un peu plus bas, mais qui se sentaient capables et qui ressentaient dans leur corps la capacité de pouvoir augmenter leur prix au travers de cette expérience, voilà, ils avaient cette marge de progression comme toi, tu as eu. C'est beau, hein? Ah, l'idée de le fonctionner par palier. Si vous avez peur d'augmenter vos prix, passez pas de 35 à 80. Le gap va être beau. La perte de poids, peut-être que ça vous parlera plus, mais vous n'allez pas dire à quelqu'un, tiens, allez, cette semaine, c'est 20 kilos. Non, concentrez-vous déjà peut-être sur les 500 grammes, puis sur le kilo,
puis sur le deuxième, etc. etc. Quand j'ai mis mes prix, alors je suis tombé dans une salle qui, à l'époque, pour moi, était la salle qui me payait le plus cher, parce que c'était 43 euros l'heure. D'accord? L'heure ou le cours, je ne sais plus exactement. Et donc j'avais commencé à 43. Donc ma référence à moi était que bah, moins de 43, c'était nul. Donc je voulais pas prendre moins de 43. Donc j'ai tenté 45, puis 47, puis 52, puis 58, 60, 80. C'est au fur et à mesure, mais ça me faisait pas mal de l'annoncer. Alors que si tu passes de 35 ou 30 ou 25 à 80, parce que du coup, tu as entendu que Maxime l'avait fait, je ne te conseille pas de faire cette méthode-là. Étape par étape. Un truc qui te fasse pas mal à toi. Si, comme Christophe l'a dit, putain, je suis déçu de ne pas avoir même assisté à l'expérience, mais si tu as un prix que tu rejettes, tu ne le tiendras pas. Tu dégageras pas le fait que tu vas assurer pour tel prix. C'est. Pardon, excuse-moi. Il y a un truc que qui me vient à l'idée là, il y a un truc que tu m'as raconté il n'y a pas très longtemps. Tu m'as dit, là j'ai pris en main une stagiaire du Creps Ah d'Île-de-France. Et est-ce que tu peux nous raconter à combien elle vient ou elle va être diplômée? Elle n'est même pas diplômée encore. À combien elle se vend grâce à tous les conseils que tu lui as donnés? alors, c'est Juliette qui, du coup, donc, est diplômée du CREPS. Donc, elle est vraiment diplômée hein, maintenant, depuis décembre. Et quand elle était stagiaire, je crois que, parce qu'elle avait déjà un BP, APT avant, elle devait tatouiller les 1000 euros, 1200, etc. Là, maintenant, à 2 mois, 3 mois, parce qu'on est en mars, de sa sortie de formation, elle a fait 3700, un truc comme ça. 3700. Alors que ça fait que 3 mois. Mais du coup, elle a. Et cette semaine, j'étais hyper fier parce que je l'avais posté en story. Mais elle m'a envoyé, première fois, c'est 120 euros le cours. C'est-à-dire que j'ai jamais vendu à ce prix-là. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait, elle a assumé. Et elle l'a vendu. Parce que, bah, du coup, voilà, elle s'est placée dans je maîtrise ça. Vous me voulez absolument, parce que vous ne voulez pas décevoir vos adhérents, le prix, c'est ça. Elle est diplômée que depuis 3 mois, mais aussi parce que tu l'as bien coachée. En fait, tu l'as aidée à se formater l'esprit dans le bon sens. C'est-à-dire que le mindset, l'état d'esprit dans lequel elle a été, elle a eu un modèle qui était toi, et finalement, bah, elle a suivi tes conseils, elle a fait qu'appliquer. Je lui ai montré, puis au début, pareil, elle me disait, mais non, c'est trop cher, je suis jeune coach, personne ne voudra payer ce prix-là. Mais personne, c'est qui personne? Mais sauf que ce que tu n'as pas maintenant, ce n'est pas un état définitif, ce qu'on appelle un état actuel. Et ensuite, tu grandis vers ce qu'on appelle ton état désiré. Mais pour ça, bah, du coup, il faut se planter, faut tenter, se planter potentiellement. Et ce que tu as, là où tu as fait une erreur, où tu t'es planté, t'en tires un feedback. T'avances. Et Juliette, au début, ne me croyait pas. Pour elle, c'était pas possible. Et pourtant, elle l'a fait. Est-ce que son nom de famille commence par un C? Ah, parce qu'elle est là? Juliette, tu peux activer ton micro si c'est bien toi dont on parle? Oui, vous m'entendez? Oh, super! Et on ne savait pas que tu étais là. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Parce que est-ce que avant d'arriver à 120 euros, est-ce que tu croyais à ce prix-là, toi? Pas du tout. Et donc, et comment tu as réussi à passer le pas? Bah, grâce à Maxime, il m'a vraiment aidé à avoir ce mindset de me dire que mon travail mérite le prix que je décide en fait. Et que ça il y a une vraie valeur derrière, qu'on n'est pas juste là pour faire joujou devant les gens et que en fait derrière on leur apporte vraiment quelque chose et c'est ça aussi qui est important. Juliette, tes parents, avec quel type de revenus, enfin, sans donner de chiffres, mais c'était plutôt des revenus moyens, faibles, très hauts, enfin, ils étaient comment ou ils sont comment tes parents? Mon père gagne très bien sa vie Ouais. et ma mère pas du tout. D'accord. Voilà. Pour savoir dans quel environnement à peu près tu as pu évoluer, quoi, parce que des fois, ça peut jouer, hein. Oui, bah en fait, j'ai un père qui est prof de physique et qui travaille dans beaucoup d'établissements. Il gagne
Il gagne entre 7 000 et 8 000 euros par mois. Et j'ai une maman qui est artiste peintre et qui gagne à peine 1 000 euros par mois. Voilà, pour donner une fourchette à peu près. Est-ce que pour toi, ça a joué en fait le fait que ton papa soit avec des revenus aussi importants enfin, par rapport à la moyenne? Oui, en fait, mon père m'a donné la valeur du travail. Et en fait, ouais, c'est vraiment de lui que je tiens ça. C'est génial en fait parce que là, on a un exemple concret d'une personne, Juliette, qui... Un, prouve que quand on a évolué dans un environnement qui était plutôt, on va dire, avec des revenus importants, on est bah, décomplexé par rapport au prix, mais aussi quand elle a dit que Maxime l'avait aussi aidé, aiguillé au travers de ses conseils pour avoir les 120 euros que tu as aujourd'hui du cours, ça t'avait énormément aidé. Donc, non seulement vous comprenez qu'il y a l'environnement familial, l'environnement amical, l'environnement global que l'on a, l'environnement intime, mais il y a aussi les personnes que l'on va côtoyer et tout cet environnement qui fait que l'ensemble, si on choisit bien, en fait, quelque part, les personnes vers qui on va aller, ça va nous faire grimper naturellement. Et c'est ça l'état d'esprit, c'est ça le mindset qui va à un moment donné faire décoller notre activité et arriver à des revenus qui parfois, des prix qui sont parfois démesurés, quoi. Bon, c'est cool. En tout cas, Juliette, merci d'être présente. D'être présente ce soir. Il n'était pas du tout au courant, Max, donc c'est une belle surprise. Oui, c'est un Ah, beau cadeau je que tu voyais nous fais. pas, j'ai vu qu'il y avait tant de participants, mais j'ai pas été regarder. Enfin, je sais même pas comment est-ce qu'on regardait. Voilà. Mais Mais. du coup, merci beaucoup. Bah, écoute, félicitations, continue comme ça, et puis on va se retrouver dans quelques années. Maintenant, pense surtout à défiscaliser, hein, parce que tu vas avoir des revenus Oui, importants, et à un moment donné, ça risque de faire un peu mal au porte-monnaie. Donc, oui. prochaine étape, tranquille, tranquille. Normalement, fin d'année, tu devrais l'avoir dans tes élèves pour la formation déclaration contrôlée. Parce que du coup, ce que j'ai bien compris, c'est que ce que j'avais comme information il y a 4 ans maintenant doit être potentiellement obsolète. Donc, autant qu'elle aille juste se former et qu'elle passe le cap elle aussi pour la déclaration contrôlée. Ouais, qu'elle passe par les 13 astuces légales avant, c'est l'étape intermédiaire qui permet de savoir si c'est bien de passer en déclaration contrôlée ou s'il faut attendre encore un petit peu pour être en micro-entreprise et de rester en micro-entreprise. Je vais te poser une dernière question, puis on finira là-dessus. J'ai un jour lu un truc que j'ai retenu par cœur, c'est « Si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute. Si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. » C'est pas de... Attends. Kiyosaki? Robert Kiyosaki? Un certain Bill, Bill Gates. Yes. Ok, d'accord. Ok. Si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute, mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase-là? Ben, totalement vrai, en fait. Alors, non pas de dire que l'argent ne fait pas le bonheur ou que l'argent fasse le bonheur. En vrai, on a tous des codes, des dogmes qui nous sont propres. Moi, personnellement, qui ai toujours eu envie d'être libre, la liberté en 2023, même dans les années précédentes, hein, je pense qu'elle passe par le fait de pouvoir correctement gagner sa vie, mais surtout d'être heureux dans ce que tu fais. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de bien gagner sa vie, mais dans un truc qui te fait chier, et vice-versa, de... Attends, qu'est-ce que j'ai dit? De bien gagner sa vie dans un truc qui te fait chier, et le vice-versa. Là, j'arrive pas à me l'ordonner dans ma tête, mais voilà, il faut vraiment pouvoir trouver ce qui te passionne. À partir du moment où ça te passionne, tu peux devenir riche. Donc pour moi, cette phrase, elle est vraie. Après, il faut énormément s'introspecter, ne pas regarder ce que dit le voisin, ce que fait le voisin. Faites ce que vous croyez. Si votre but, c'est de gagner suffisamment d'argent, ça va venir à partir du moment où vous croyez fort dans ce que vous faites, dans ce que vous faites maintenant. Mais ouais, mourir pauvre est clairement pour moi un choix et un choix que je veux pas. J'ai envie de mourir heureux. À un moment donné, tu as sorti une ou deux phrases, c'est à la fin de la Bible du personal trainer dans toutes les phrases qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il y a des phrases sur le mindset pour booster le mindset à la fin. Et il y a une des phrases que tu as citée là qui est dedans, effectivement. Ça donne un petit coup de boost, ça. Bon, c'est très bon ça. Le mindset, se former au mindset, en fait, avoir une compréhension qui est autre que faire 3 genoux de basique pour moi en step ou tiens, faire ton squat pendant tant de temps, etc. C'est hyper important pour les coachs. Hein.
le mindset, donc comme Christophe l'a dit, c'est vraiment l'état d'esprit. Et toi, derrière ton écran, tu verras très très vite que ton mindset va t'emmener d'un point A à un point B. Par contre, si tu ne sais pas ce qui est au bout du point B, parce que tu n'es pas du tout sûr de ton mindset de base, travaille sur ton mindset. La première base, c'est de travailler sur ce que tu veux vraiment, ce qui t'aspire réellement, pas « je veux devenir riche ». D'accord, tu veux devenir riche, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire? Parce que pour devenir riche, en fait, il faut que tu vendes, il faut que tu proposes un service qui, toi, te touche. Moi, j'adore le freestyle et j'ai envie d'aider les coachs pour pouvoir progresser là-dedans. J'adore faire de bons cours et je ne veux pas le vendre peu cher. Mais donc, peu cher, je suis en train de penser à cette… c'est pas une insulte dans le sud, ça, peu cher. J'avais envie de le vendre cher, voilà, d'accord. Et à partir du moment où j'ai décidé que je voulais travailler sur moi, vu que je travaillais sur moi, j'investissais de l'argent, je voulais pouvoir le retrouver, c'est le moment où, paf, je suis passé des 1400 au fur et à mesure. Hein, je ne dis pas que c'est venu en une seule année, mais je suis passé des 1400 qui ne me convenaient pas. 1400, tu t'imagines, avec 800 euros de remboursement de crédit, parce que j'avais voulu quand même acheter mon appartement, mais il ne me restait pas grand-chose. Quand tu enlèves les 200 euros d'essence, les 200 euros de course dans le mois, il me restait 200 balles grosso modo pour faire l'idiot, pour aller en soirée ou acheter un jeu vidéo 70 balles voilà, c'était vraiment une vie qui me convenait pas forcément, alors que maintenant je peux faire beaucoup plus de choses avec ce que j'ai maintenant et il me reste quand même énormément à mon niveau d'argent. Ouais, bah c'est cool, en tout cas, je suis vraiment ravi pour toi. Vous l'avez compris, hein, le fait d'avoir des revenus plus importants, de toute façon, l'argent, c'est surtout, ça apporte une liberté. C'est un moyen. Vous l'avez compris avec Maxime. Ce qui est très important, si on résume un petit peu ce webinaire, c'est de se dire que déjà, dans un premier temps, il y a un état d'esprit à acquérir. Ça se modèle, ça se transforme, ça se forme, il faut travailler son état d'esprit, ça c'est très important. Et l'état d'esprit est induit notamment par l'environnement que vous avez, les amis, la famille, et puis les personnes que vous ne connaissez parfois pas et vers lesquelles vous allez aller à un moment donné. Il y a une magnifique vidéo qui est de Philippe Gabillet là-dessus, qui s'appelle « La chance ». Tapez « La chance Philippe Gabillet » sur YouTube, ça dure 5 minutes, c'est une pépite. C'est un professeur d'une grande école de commerce qui un jour s'aperçoit à la fin de l'année qu'il a oublié de donner un cours à ses étudiants, le cours qu'il donne tous les ans, et cette année il a oublié de le donner. C'est un cours sur la chance. Et il a 5 minutes devant lui, face caméra, avec une image qui n'est pas belle parce que c'est un de ses étudiants qui est là avec peut-être, je ne sais pas, un caméscope, peut-être un smartphone, je ne sais pas, donc on voit l'image bouger. Mais ce qu'il dit pendant 5 minutes, mais ça c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que le fait d'avoir un mindset, un état d'esprit bien particulier, mais aussi d'aller vers des personnes qui sont des personnes qui vont vous porter plutôt que des personnes qui vont vous tirer vers le bas, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus. Mais surtout après, et Maxime l'a bien géré, c'est que vous devez choisir le régime juridique ou le régime fiscal, c'est-à-dire la micro-entreprise ou la déclaration contrôlée dans notre cas, micro-entreprise ou déclaration contrôlée, pour pouvoir faire des économies sans avoir à modifier en fait son marché, sans avoir à modifier ses clients, sans avoir à trop modifier sa façon de gérer son entreprise. Donc voilà, on a les trois ingrédients élémentaires. Et puis Juliette, merci pour avoir apporté ta petite touche supplémentaire qui a permis de comprendre effectivement que cet environnement, notre historique et puis aussi les personnes qui nous entourent sont très très importants là-dedans. Max, tu aurais éventuellement une dernière chose ou c'est OK pour ce soir? Là, il y avait un truc qui me revenait tout à l'heure, tu sais, quand tu me demandais les inconvénients. Ou les bénéfices, dans, je ne sais plus, mais je crois qu'il y avait un montant minimal, et je crois que c'est ça que tu as un petit peu expliqué avec Juliette, est-ce qu'elle devait rester en micro ou est-ce qu'elle devait passer en déclaration contrôlée, c'est qu'il y a un montant minimal qui fait qu'il y en a un, ça va être plus intéressant d'un côté ou de l'autre, hein, c'est ça? Un truc comme ça? Bon, ça va être surtout par rapport à l'économie qu'elle va faire, donc en fait, dans les 13 astuces légales, on regarde ce que ça coûte. Au final, en fait, ce qui reste dans votre poche, c'est ce qu'on appelle le net in the pocket. Cash flow, c'est dépassé. Si vous entendez le terme cash flow, c'est fini, vous fuyez, c'est un truc vieillot. Vous pensez maintenant en NIP, net in the pocket. Et le net in the pocket, c'est ce qui vous reste à la fin une fois que vous avez tout payé, c'est-à-dire les cotisations et les impôts. Et donc, dans les 13 astuces légales, on a un simulateur de calcul qui est justement adapté à ça et qui permet de savoir en micro-entreprise et en déclaration contrôlée le net in the pocket, c'est-à-dire ce qui vous reste dans la poche une fois que vous avez tout payé. Et pour Juliette, ce qu'on fera, c'est que on regardera avec elle, quel est le net in the pocket qu'elle a
si elle reste en micro-entreprise ou si elle passe en déclaration contrôlée. Et si on voit qu'en déclaration contrôlée, ce qui lui reste dans la poche, le net in the pocket, le NIP, est plus important, ben en fait, il faudrait qu'elle passe en déclaration contrôlée. Mais on peut y passer qu'une seule fois dans l'année, au 1er janvier de l'année suivante. On peut pas, vous ne pouvez pas, si vous êtes en micro-entreprise, passer en déclaration contrôlée pendant l'année. Ce n'est pas possible. Hein. Il faut attendre l'année prochaine. C'est pour ça que la formation passée en déclaration contrôlée, on l'a mis au mois de novembre. C'est parce qu'en fait, c'est la veille presque de l'année suivante. En tout cas, merci Maxime de nous avoir rapporté toute ton expérience derrière. J'espère que ça va vous booster, j'espère que ça va aider certains d'entre vous à monter en compétences, parce que le but de ces webinaires et le but du jeu à chaque fois, c'est de faire en sorte de faire monter bah, vos compétences et de faire en sorte que vous puissiez vivre confortablement de votre passion et qu'elle reste longtemps cette passion. Donc que vous viviez bien, correctement et confortablement de cette passion. On se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau webinaire de 18h à 19h qui sera consacré à l'hypnose. Ah ouais, vous allez voir, on en parle beaucoup en ce moment, l'hypnose et le coaching sportif, c'est extrêmement lié. Les coachs les plus, on va dire, les plus modernes sont des coachs qui s'intéressent au cerveau, la PNL, l'hypnose. La semaine prochaine, vous allez avoir des démonstrations en direct, on va parler de l'hypnose, on va vous expliquer pourquoi l'hypnose aide dans le coaching sportif et aide les coachs sportifs. Vous allez voir, l'hypnose, c'est pas de la magie, c'est de la science. Et on en parlera pendant une heure, vous pourrez poser toutes vos questions, vous allez voir des trucs de pépites de dingue. Soyez présents la semaine prochaine, vous inscrivez directement avec le lien qu'on va vous laisser sous la vidéo sur la chaîne YouTube Christophe Batz Coach Academy. À très vite, merci à tous et excellente soirée.